Ouais, je crois qu'on peut dire ça ce soir. C'était un match de séries éliminatoires. C'est ça le mot. C'était vraiment c'était intense dans tous les sens, là, du début à la fin. Très émotif. Puis on est content de sortir avec le 2 points ce soir. Tu as célébré ta nomination de capitaine de belle façon. 2 passes, un solide match en défense. Je sais que ça n'a rien à voir avec le fait que tu as été nommé capitaine, mais visiblement, tu avais une motivation particulière ou non? C'est un hasard? Non, je te dirais que c'est. J'avais pas de motivation particulière, mais tu veux tout le temps faire un bon match. Puis ce soir contre Québec, on était conscient aussi du danger qui nous guettait là, par rapport au match de la semaine passée. La victoire de 9-3. Donc, c'était important de sortir une grosse partie, une grosse performance. Puis c'est ce qui est arrivé. On est très content. Vous avez commencé très fort, une excellente première période. Deuxième, ça a été flottant des deux côtés. On a semblé un peu sur les talons dans les deux camps. Puis en troisième, tout le monde a ouvert la machine. Ça a donné tout un spectacle. Un bon match de hockey, comme tu l'as dit, un match de série. Jean-Philippe, parle-nous un peu maintenant du match de demain, par contre. Est-ce que c'est inquiétant? Je dis ça dans le contexte où match émotif, grosse victoire, beaucoup de monde dans la cabane. Tu tombes contre l'Armada de Blainville-Boisbriand. Je ne veux pas les diminuer, bien au contraire. C'est un club qui surprend tout le monde depuis le début de l'année. Un petit danger de votre côté, je dirais pas d'être un peu, peut-être d'être un peu plus à plat? Je crois pas, non. Comme tu l'as dit, Blainville joue du hockey très solide depuis le début de la saison. On dit que cette équipe-là surprend, mais là, c'est parce que ça fait, on est rendu à 50 games de jouer. Je pense qu'on ne parle plus de surprise, là. On parle d'une équipe qui joue du hockey très solide. Puis, pas question de demi-mesure contre eux autres, puis ça va être un match aussi important que celui de ce soir. Merci Jean-Philippe. Ça doit. Ça te ramène le piège dont je te parlais hier. Oui, exactement. On en a parlé dans le champ, je présume. Oui, ben pas encore là, jusqu'à maintenant, là, mais j'imagine que ça va venir, oui. Oui, hein, parce que c'est toute une différence. Il n'y a pas de rivalité installée contre l'Armada et autre chose. Ils sont ici. Ils vous ont regardé jouer à ce soir, là. Ah, je savais pas. Tu mets au courant. Il y en a plusieurs qui étaient dans les gradins ce soir. OK. Fait qu'autrement dit, ils vont être prêts, les autres, là. J'imagine que oui. Puis maintenant, justement, c'est à nous. Fermer les livres par rapport à cette victoire-là. On prend ça, on met ça dans notre bagage, puis on se prépare pour le match de demain tranquillement. Tu es capable de partir sous l'adrénaline, justement, de cette victoire-là pour commencer le match de demain? Je ne parlerai pas d'adrénaline, je parlerai plus de confiance acquis, justement, pendant cette victoire-là. Parce que si c'est juste sur l'adrénaline, là, dès le départ, c'est, là, faut qu'on relaxe. Il ne faut pas qu'on monte trop haut non plus émotionnellement. Donc, je pense que confiance, ça serait le bon mot. Content de ton premier match avec Messier sur le chandail? Ouais, oui. Content. Tu vas t'en rappeler de celui-là, je pense. Moi, ouais, peut-être. Il y a de l'énergie pour demain encore. Il y a du gaz dans le tank. Il y a du gaz dans le tank en masse. Oh, oui. Parce qu'il y a beaucoup utilisé toutes les voix en ce moment-là. Toutes les voix qu'on joue, on participe à cette victoire-là. Ben, tu le dis, puis je crois que c'est une des forces de notre équipe, justement, d'avoir 4 trios capables de contribuer, puis d'être solide défensivement, puis même chose à la défensive. Puis ça, c'est ce qui fait justement notre force, puis ça nous permet demain de sortir encore fort. Puis... Dernier détail, je faisais remarquer à Gervais Chouinard qu'il venait de blanchir les remparts sur 7 places pendant 126 minutes. C'est quand même quelque chose. Ouais, c'est impressionnant. Je savais pas ça. C'est très solide. Ben, Jean-Claude a fait des arrêts clés ce soir. Là. J'ai entendu votre collègue dire qu'il n'en a pas fait énormément, mais les arrêts clés étaient là. Allez, à demain. À demain.